Bonjour, bonjour, c'est Internet, votre professeur spirituel. Ahmed Akile est tout disponible pour vous 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous voici bientôt à la fin de cette année et bientôt une nouvelle année. Que puis-je faire pour vous, pour vous satisfaire encore avec tout ce que vous avez déjà eu comme satisfaction durant tout au long de ces 12 mois passés? Ces 11 mois passés, je dirais, parce que nous sommes dans le 12e mois toujours. Voici quelques interdits spirituels très importants à savoir. Ne jamais se coiffer le 31 décembre, que ce soit homme ou femme. Faites vos coiffures avant le 31. N'utilisez jamais une ancienne éponge dans une nouvelle année. Donc, à partir de 0h, 1er janvier, vos prochains bains doivent se faire avec une nouvelle éponge. Et prenez soin de jeter l'ancienne éponge au dépotoir avant le 1er janvier. Pendant que tu jettes l'éponge au dépotoir, fais les vœux que ce sont les blocages, impuretés, envoûtements, les malédictions que tu jettes au dépotoir. Maintenant que tu te débarrasses des choses négatives, que désormais le vide en toi soit comblé par le bonheur, le succès, la prospérité, la santé, l'argent dans l'année nouvelle. Faites ceci la nuit entre 18h et 23h59 du 31 décembre. Aménagez vos maisons, enlevez les saletés, lavez vos linges sales et mettez tout au propre avant la nouvelle année. C'est dans l'espoir de se faire visiter par son ange gardien. Soyez en habit blanc. Soyez en habit blanc. Jamais. Portez peu, importe la valeur ou en soutane blanche pour faire une médiation lorsqu'il sonne 0h en toute concentration. Faites donc des céréales, maïs, riz, haricots, blé, etc. Autre chose si vous voulez, à l'orphelinat avant la nouvelle année. Cela permet de ne jamais manquer d'argent ou de quoi manger. L'argent ou ce que vous avez financièrement, ça ouvre les portes financières aussi. Achetez un pigeon blanc qui est bien portant avec des ailes en place qu'on a mis dans une cage sans débattre le prix. Revenez à la maison avec le pigeon le lendemain matin très tôt, sans parler à personne. Faites tes vœux de santé, des ouvertures de bonheur et succès. Et tout ce qui est bon dans l'oreille gauche du pigeon et aussitôt laissez-le partir. Vous-même, vous allez voir ce que tu as dit à l'oreille du pigeon va se réaliser dans ta main dans la nouvelle année. Astuce maintenant, piège pour les méchants. Vous allez chercher des noix de coco sec pour se défendre contre tout ennemi dans la nouvelle année. Pour venir, il vaut mieux que guérir. Vous allez acheter une noix de coco sans débattre le prix le matin de bonne heure. Ne pas faire l'amour la veille. Prends ton coco, fais les vœux que ce coco représente la tête de tout ennemi visible ou cache qui nuit déjà à ta vie ou qui font, ou du moins ce qui vont vouloir perturber ta paix en 2022. Que personne ne sait comment l'eau est rentrée dans le coco. Toute personne qui pense mauvais de toi, le ne prononce si tu connais la personne, tu cherches, ou du moins ce qui cherche à vous nuire en 2022, que sa tête soit brisée, qu'il ait des violents maux de tête tout au long de l'année. Ainsi, formulez correctement vos voeux de nuit en retour. Ceux qui vont essayer de vous nuire dans votre langue et aussitôt jeter avec toute votre force le coco contre un mur, assurez-vous que le coco soit brisé d'un seul coup et que l'eau de coco soit versée. Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le coco avant l'opération. N'appelez le nom de personne pendant l'opération. Si l'opération est bien faite, tous ceux qui vont essayer de vous nuire auront de violents maux de tête, suivis d'une hémorragie interne ou externe, parce que le coco est représenté par la tête dans le monde spirituel. Et l'eau de coco représente le sang qui va donner l'hémorragie après tentation.
Donc, il faut bien formuler les vœux et jeter avec toutes ses forces d'un seul coup pour que le coco soit brisé. Procurez-vous d'un savon hyper puissant de purification du professeur Ahmed Aquilé. C'est un savon qui va te permettre de te débarrasser des choses négatives et activer une bonne lumière sur toi afin de briller son étoile pour entrer dans la nouvelle année avec beaucoup de changements, bonheur et succès. Et pour bien démarrer l'année avec une énergie positive, tu vois ton professeur Ahmed Akiler, plus de 229, 96, 79, 60, 42.